Salut à tous et surtout YouTubeur, youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série R info, on commence tout de suite par la première actualité, nous on perd pas de temps aujourd'hui. Hein. Des avions de chasse français envoyés pour intercepter un avion fantôme. Quatre personnes étaient à bord de l'appareil, rapportent plusieurs médias européens. Des avions militaires français, espagnols et danois ont été mobilisés. Un scénario digne d'un film catastrophe. Dimanche 4 septembre, un avion Cessna s'est abîmé en mer au large en mer au large de la Lettonie, ont annoncé les autorités suédoises, peu avant 20h, heure de Paris. Ce qui rend cette histoire d'autant plus énigmatique, c'est qu ce qui s'est passé avant le crash de l'avion. En effet, après un décollage à 14h55 depuis Jerez, en Espagne, le contact avec l'avion a été perdu peu de temps après que l'aéronef eut franchi le massif pyrénéen. Selon le, le selon le journal allemand Blitz, Blitz, Bild, quelques instants plus tôt, le commandant de bord avait signalé des soucis de, de pressurisation dans la cabine. Par ailleurs, les chasseurs espagnols et français dépêchés autour de l'aéronef en difficulté n'ont pu voir aucune personne à l'intérieur de l'avion, que ce soit dans le cockpit ou dans la cabine. Le parcours de l'avion fou serait suivi selon les outils... De suivi d'avion au-dessus de la France. Il aurait alors traversé l'Hexagone du Pays basque au nord-est. Une fois que l'avion a pénétré dans l'espace aérien danois, les pilotes de chasse ont constaté que l'avion tournait. Quelques minutes plus tard, l'avion s'est écrasé en mer Baltique. Des secours ont été envoyés sur place par la Suède. Un rafale engagé sur alerte. L'appareil est tombé lorsqu'il s'est retrouvé à court de carburant, a estimé Lars. En Austin, chef des secours suédois à l'agence France Presse. Selon Lars Antonsson, les équipes de secours lettones dirigent les opérations sur le lieu du drame avec l'aide d'un avion et d'un hélicoptère des gardes-côtes suédois. Aucun reste humain n'a été retrouvé, a-t-il précisé. D'après le plan de vol initial, le dead privé devrait devait relier l'Espagne à la ville de Cologne en Allemagne, selon les informations de Bild. Quatre personnes étaient à bord, le pilote, une femme, un homme et sa fille. Les raisons du drame restent inconnues pour le moment. Nous n'avons aucune explication, nous ne pouvons que spéculer, a expliqué le chef des secouristes. Mais à d'abord, mais à d'abord, il... Non, mais à bord, ils étaient clairement dans l'incapacité de réagir. Les autorités lettonnes n'ont fait aucune déclaration concernant le crash. Alerté par les autorités espagnoles de probables difficultés de pressuris pressurisation de l'appareil, le centre national des opérations aériennes de Lyon-Mont-Verdun a ordonné le décollage sur alerte d'un rafale. Mais les tentatives de contact radio se sont révélées infructueuses et les contacts visuels n'ont pas permis d'observer une quelconque activité dans le cockpit. Détaille l'armée de l'air dans un communiqué publié dimanche soir. Selon le manifeste de vol, l'avion, un Cessna 551, transportait quatre passagers et effectuait un vol entre l'Espagne et Cologne en Allemagne. Mais lorsqu'il a changé de cap en cours de vol, les régulateurs aériens n'ont plus pu le contacter, a déclaré l'agence lettonne de l'aviation. Actuellement, des équipes de sauvetage avec des bateaux et des hélicoptères de Lettonie, de Lituanie et de, Suez, euh de, Suez, de Suède travaillent sur les lieux de l'accident, a-t-elle indiqué auprès de l'AFP. Quand Ryanair abandonne des dizaines de passagers une heure avant un décollage à Beauvais, la compagnie cos Ryanair a abandonné des dizaines de passagers à l'aéroport de Beauvais en annulant un vol à peine plus d'une heure avant le décollage. Témoignage. Romain est arrivé à l'aéroport de Beauvais une heure, une heure quinze avant son vol Ryanair à destination de Béziers. Et au moment où j'entends, où j'entrais dans le terminal 2, j'ai reçu une notification sur mon téléphone pour prévenir que mon vol était annulé à une heure de décollage. C'est n'importe quoi. Romain n'est pas le seul à, à s'être retrouvé dans la galère, sans avoir aucun représentant de la compagnie avec qui discuter. On a seulement eu affaire à du personnel de l'aéroport qui distribuait des papiers précisant les droits des passagers. Jeudi 8 septembre 2022, plusieurs dizaines de passagers, dont des gens avec des enfants, des personnes âgées, se sont ainsi retrouvés sur le carreau. Aucune explication sur les raisons de l'annulation. Par mail, la compagnie a proposé d'annuler nos billets ou de prendre le vol suivant, mais c'était trois jours après, témoigne Romain, qui pour sa part devait descendre à Béziers de toute urgence pour se rendre à l'hôpital où un proche est en fin de vie. On n'a eu aucune explication sur la raison de l'annulation, poursuit le jeune homme. Les gens de l'aéroport ont plus dit que l'avion avait un problème technique. En fait, l'avion n'était pas là. <laughs> Et pour cause, affrétée sur des rotations en Pologne, la pareil de Ryanair a été confronté à des problèmes de météo qui ont eu pour conséquence des retards sur les programmes de vol du jour. L'aéroport de Beauvais soumis à un couvre-feu. Edo Friard, directeur, de directeur commercial de l'aéroport de Beauvais, contacté par Actuaz, confirme que l'avion de Béziers a bien été annulé au dernier moment. Ce sont des problèmes de météo qui ont, qui ont eu pour conséquence une réaction en chaîne. Ryanair a alors pris la décision d'annuler le vol Beauvais-Béziers à cause de ses retards. Si l'avion était arrivé à Beauvais et avait redécoulé vers Béziers, il n'aurait pas pu faire le vol de retour. Beauvais étant sa base de stationnement avant le couvre-feu de minuit qui s'impose chez nous, précise-t-il. La compagnie low-cost a préféré annuler le vol en abandonnant des dizaines de passagers. Beauvais est avec paris l'un des seuls aéroports français soumis à un couvre-feu. Le directeur commercial précise que le règlement 261.2004 de l'Union européenne impose aux compagnies déficitantes de proposer des solutions alternatives aux passagers victimes d'annulations ou de retards conséquents. En l'occurrence, les compagnies doivent proposer priorité prioritairement des sièges sur les vols suivants et doivent, et doivent prendre en charge les frais d'hôtel si nécessaire. Un vol de remplacement trois jours plus tard. Sauf que dans le cas du beauvais Bézier, le vol suivant était programmé trois jours plus tard. Les passagers qui doivent impérativement se rendre vers leur destination peuvent aussi prendre le vol, un vol sur une autre compagnie aérienne déficitante devant prendre en charge l'ensemble des coûts induits. C'est tout de suite à quoi j'ai pensé, raconte Romain, mais j'ai quand même vu, voulu m'en assurer. On peut le faire, c'est sûr, mais sur son site internet, la compagnie irlandaise précise donc la compagnie irlandaise, c'est Ryanair, hein, pour ceux qui ne savent pas. Si les options de transport alternatif ne vous conviennent pas, vous devez réserver ses billets, vos billets d'avion vous-même. Et ensuite envoyer vous reçus au département du service clientèle pour procéder au remboursement. Cependant, vous devez nous contacter avant de réserver un transport alternatif afin que nous, que nous puissions d'abord essayer de vous accommoder. On fait comment alors? C'est juste comme, justement une, cette petite phrase qui a posé problème à Romain. Je me suis dit que j'allais appeler le service commercial. Pour être sûr. Mais le problème, c'est que le service commercial ne répond plus après 17 heures. C'est fermé. On fait comment alors Compte tenu de son obligation personnelle, Romain a fini par rentrer chez lui à Noyon pour chercher un nouveau vol le lendemain à la première heure. J'ai pris un vol Air France très tôt à Roissy. Un billet à plus de 300 euros. Mon père m'a emmené jusqu'à l'aéroport. Au moins, l'avion de retour était à l'heure. C'est déjà ça. La compagnie n'a pas le temps de répondre. Contactée par Actuaz, la compagnie Ryanair a répondu qu'elle n'avait pas le temps de répondre pour le moment, sans commentaire. KLM, déçu par les nouvelles restrictions sur les passagers à l'aéroport de Chipoul. La compagnie KLM, qui fait partie d'Air France KLM, a qualifié vendredi de décevante la décision de l'aéroport de Chipoul d'Amsterdam de limiter davantage le nombre de passagers au départ. Un prix à vie trop court affecterait. Ses passagers et sa réputation, a déclaré la compagnie dans un communiqué. KLM fera tout son possible pour s'assurer que les passagers qui ont déjà réservé des billets pourront effectivement voyager, a-t-elle déclaré, ajoutant que ceux qui souhaitent prendre un vol plus tard pourraient le reporter sans frais supplémentaires. Les autorités aéroportuaires avaient déclaré que le flux quotidien de passagers serait réduit de 18% jusqu'au 31 octobre au moins, en raison de la pénurie de manœuvres. Aéroport d'Orly. Pourquoi votre avion pourrait changer de trajectoire Une piste de l'aéroport d'Orly sera fermée mercredi 14 septembre. Non, ok, il faut pas lire cet article parce que l'actualité est passée. c'était fermé mercredi 14 septembre et là, on est le 20 septembre. Ouais, c'est lundi 19, mardi 20, c'est ça. Donc on ne lit pas cet article car c'est plus d'actualité. Désolé, pour, int... Désolé pour, pour ce petit incident. États-Unis. Une employée d'aéroport décède après avoir été... Ah happé par un tapis à bagages. À l'origine de l'accident, les cheveux de la jeune femme âgée de 26 ans se seraient pris dans un tapis roulant. Donc le tapis roulant, je vous rappelle, c'est ce truc-là. Regardez, c'est le, le, tapis roulant, c'est, ne sais pas si vous voyez sur la photo, c'est le l'espèce de truc, euh, l'espèce de tapis roulant qui emmène les valises dans la soute, comme vous pouvez le voir. Les valises qui rentrent dans la soute par ce petit, par, passe, 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 passe par ce petit euh, tapis roulant. Enfin bref, un terrifiant accident du travail survenu ce mardi 30 août, donc le mardi 30 août, c'est passé, mais bon, c'est passé, mais ça reste de l'actualité malheureusement, à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, a fait une victime, une femme âgée de 26 ans, qui était employée en tant que bagagiste par la structure. L'employé était précisément en train de décharger les bagages d'un avion de la compagnie Frontier Airlines lorsque le drame s'est produit. D'après le Daily Mail, les cheveux de la jeune femme se seraient emmêlés dans un tapis roulant utilisé pour déplacer les valises. La malheureuse être, aurait ensuite été happée et scalpée par le mécanisme avant que ses collègues puissent faire quoi que ce soit. Germanie faisait partie de la famille de l'aéroport. Transportée en urgence vers l'hôpital le plus proche, la jeune femme n'a pas survécu à ses blessures. La terrible nouvelle. La, la terrible nouvelle confirmée par un porte-parole de l'aéroport, Louis Armstrong, donc Louis Armstrong, c'est le nom de l'aéroport en fait, a évidemment plongé dans le deuil de ses, co dans le deuil ses collègues de l'assistance au sol, mais aussi l'intégralité des équipes de l'aéroport. Équipe Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de Germanie Thompson, membre de l'équipe d'assistance au sol de GAT Airline. a réagi l'un des responsables de l'aéroport, cité par le Daily Mail. L'aéroport international Strong de la Nouvelle-Orléans présente ses sincères condoléances à la famille et à ses amis, ainsi qu'à nos partenaires de GAT et Frontier Airlines. L'Airmanie faisait partie de la famille de l'aéroport et nous continuerons à nous soutenir mutuellement de toutes les manières possibles pendant cette période difficile. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que, que vous aurez pu regarder là. Qui sait qu'on tombe Et hein eh oui, à chaque, à, chaque fin de, à chaque fois que je finis ma vidéo, qui sait que je tombe sur Barvina Parce que là, au début de la vidéo, nous n'avons pas encore vu Barvina de la vidéo. Et là, il suffit d'attendre la fin de la vidéo pour tomber sur Barvina. Sans faire exprès, hein, parce que quand je tombe sur Barvina, je ne le fais absolument pas exprès. Bon, là, regardez, je suis tombé directement sur Barvina. Ah ben là aussi, regardez, là, on la voit encore. Regardez là. <laughs> Où est-ce qu'on la voit encore Là, regardez là. Regardez là. <laughs> regardez là. Mix, Señorita, vous avez vu <laughs> Enfin bref, ah bah regardez on la voyait ah c'est pas là regardez là on la ah là, regardez, là on la voit encore là comme vous pouvez le voir là mon mix Barvina et plus encore c'est ce qui a marqué vous avez vu sur le titre Barvina et plus encore <laughs> ah Barvina Day vous avez vu <laughs> bon bref c'est pas ça normalement la vidéo on ne doit pas parler de ça aujourd'hui aujourd'hui c'est un épisode d'Air Info, c'est pas un épisode c'est pas un épisode, euh, de barfina, un épisode où on parle de Barfina, c'est un épisode où on parle de l'actualité du trafic aérien <music> the dreams bring back all the memories